Donc, bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de Kazaku.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aborderons le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Donc, avant toute chose, décrivons les données dont nous disposons. Tout d'abord, nous disposons d'un espace euclidien, c'est-à-dire un espace vectoriel réel de dimension finie, muni d'un produit scalaire et de la norme associée, bien évidemment. Une base, B, E1 jusqu'à EN, de E, nous sera utile également. Notre but sera d'orthonormaliser la base B de façon mécanique, ou si on veut, de façon algorithmique. Donc, cette base B, nous tenterons de l'orthonormaliser. Mais que veut dire le terme orthonormalisé? Pour cela, nous avons défini, pour vous, chers auditeurs, un lexique. Donc, orthonormaliser consiste à rendre orthogonal plus normé. Donc, orthogonal, comme vous pouvez le voir ci-dessous, donc une famille est dite orthogonale si et seulement si le produit scalaire de chaque couple de termes différents 2 à 2 est égal à 0. Une famille est normée si chacun de ses éléments est normé, c'est-à-dire sa norme est égale à 1, comme vous pouvez le voir. Donc, une famille est dite orthonormée si elle vérifie la condition que vous voyez devant vous. XI scalaire XJ est égal à le symbole de Kronecker du couple IJ. Bien sûr, le symbole de Kronecker est égal à 1 lorsque I est égal à J est différent, est égal à 0, pardon, lorsque I est différent de J. Donc, quel est l'intérêt d'orthonormaliser une base? Donc, une base orthonormée E1 jusqu'à EN et nous permet une propriété assez intéressante. Donc, pour tout vecteur X, qui s'écrit x1 jusqu'à xn dans cette base, on peut écrire chacune de ces coordonnées sous la forme donc x scalaire ei, et du coup, on retrouve que x est égal à la somme des x ei, ei. C'est une propriété intéressante qui nous facilite beaucoup les calculs. Donc, dans ce qui suit, nous allons définir le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Donc, selon ce procédé, on peut transformer toute base e1, en une base orthonormée. F1 jusqu'à Fn, avec la propriété intéressante suivante. Quel que soit P appartenant à 1n, l'espace engendré de F1 jusqu'à Fp est égal à l'espace engendré de E1 jusqu'à Ep. Donc, nous déduisons de cette proposition qu'il existe au moins une base orthonormée dans chaque espace euclidien. De plus, Gram-Schmidt nous ajoute la condition intéressante suivante. Donc, pour mieux appréhender cette construction de base orthonormée, nous vous donnerons dans la vidéo la démonstration de celle-ci. Ok, donc nous disposons d'une base E1 jusqu'à En, et la donnée qui va nous guider tout au long de cette démonstration, donc en plus de l'orthonormalité de la base que nous tenterons de construire, F1 jusqu'à Fp, donc le fait que les vectes sont égaux. P est égal à 1, qu'est-ce que nous en déduisons? Que vect E1 est égal à vect F1, qui peut se lire... Qui peut se lire comme F1 est égal à lambda E1. On est bien d'accord. De plus, la norme de F1 est égale à 1. Et donc, nous en déduisons une écriture de lambda. Du coup, F1 est l'orthonormalisation du vecteur E1. Mais comment retrouver le vecteur F2? Comment retrouver F2? Donc, en reposant sur le même principe, c'est-à-dire l'égalité des espaces vectoriels engendrés. E1, E2 et F1, F2. Donc à partir de cette écriture, nous pouvons écrire que E2 appartient à vect F1, F2. Donc si vous tentez d'écrire F2 appartient à vect E1, E2, nous ne pourrons pas obtenir donc plus de données, parce que en écrivant cette écriture-là, nous tenterons d'exploiter l'orthonormalité de la famille F1, F2. D'accord? Comme vous pourrez le voir dans la suite. Donc E2 appartient à F1, F2, s'écrit E2 est égal à alpha F1 plus bêta F2. Donc, si bêta égale à 0, nous trouverons une absurdité. Donc, en écrivant cette écriture-là, écrivant que G2 est égal à bêta F2, d'accord? Donc, G2 est égal à bêta F2, nous obtenons que G2 est égal à E2 moins alpha E1. Donc, en rentrant avec le produit scalaire, donc F1, c'est-à-dire qu'en écrivant, en tentant de retrouver G2 F1, qu'est-ce que nous obtenons? G2 F1 est égal à 0. On est bien d'accord? Je trouve un 0 ici. Donc, F2, F1 est égal à 0, bien sûr. Donc, ici, on retrouve E2, F1. D'accord? Et on retrouve ici la norme de F1 au carré, qui est égale à 1. Du coup, nous obtenons que alpha est égal à E2 scalaire F1. Ainsi, G2 est égal à E2 moins E2 scalaire F1 fois F1, dans un premier temps.
ce vecteur G2 n'est pas, normé, forcément. Et donc, nous allons le diviser par sa norme pour obtenir F2. Et donc, F1, F2 appartiennent à ma famille F1, F2 jusqu'à Fn. Et je connais leur écriture. Maintenant, comment écrire? Comment trouver un Fn de manière générale? Comment retrouver un Fp quelconque, pardon? Donc, généralement, on commence par écrire cette condition-là. Donc, cette condition, comme vous l'avez vu précédemment, s'exprime par le fait que Ep appartient à vect F1 jusqu'à Fp. De plus, en ayant écrit cette écriture, on obtient une traduction de celle-ci, c'est-à-dire Ep est égal à la somme des alpha i Fi plus alpha p Fp. Donc, comme tout à l'heure, nous allons donc trouver une absurdité en supposant que alpha p égale à 0. Donc, sinon, vect E1 Ep est égal à vect E1 Ep moins 1. Du coup, Ep appartient... la famille, donc la base serait liée, ce qui est absurde en lui-même. Nous allons rentrer avec le produit scalaire pour chacun des alpha i. C'est-à-dire, pour obtenir alpha i, nous allons développer le produit scalaire Ep Fi. Et en profitant de l'orthonormalité de la famille F1 jusqu'à Fp, nous obtenons pour chaque i, alpha i est égal à Ep scalaire Fi. Et de façon générale, nous pouvons retrouver que Gp est égal à Ep moins EpFi fois Fi en termes de scalaire. Bien sûr, notez avec moi que les Fi sont adjacents. Donc c'est une méthode mnémotechnique pour se souvenir de l'écriture de chaque Gp. Donc le Gp n'est pas forcément unitaire et donc nous allons le normer en le divisant par sa norme pour obtenir Fp. Ainsi, en appliquant ce procédé de 1 jusqu'à n, nous obtenons une famille F1, Fn de vecteurs orthonormés comme vous avez pu le constater. Pour mettre en pratique les notions que vous venez de réviser ou de voir, donc il n'y a pas mieux qu'une application. Pour cela, nous allons considérer l'espace vectoriel R puissance 3 muni du produit scalaire euclidien. Donc, le produit scalaire euclidien consiste à multiplier les coordonnées de A2, donc somme des xi, yi, de i allant de 1 jusqu'à 3, bien sûr. Donc on veut orthonormaliser la base B suivante. Tout d'abord, je vous invite à prouver que la base, donc que la famille E1, E2 et 3 est bien une base. Donc, par exemple, en montrant sa liberté. Et puisque la famille contient trois éléments, alors c'est bien une base. Donc, comme on a vu dans notre démonstration, la première étape consiste à normer le premier vecteur, c'est-à-dire à prendre E1 et le diviser par sa norme. On obtiendra alors F1 est égal à racine 2 sur 2, racine 2 sur 2, 0. Donc, comment obtenir F2? Donc, pour retrouver F2, on peut procéder de deux manières différentes. Première manière, c'est de reproduire une à une les étapes de la démonstration. C'est-à-dire en écrivant que vect E1, E2 est égal à vect F1, F2, puis d'en déduire l'écriture de F2 en fonction de E2 et de F1. Donc, la deuxième façon, ce qui est la façon que je vous recommande vivement, c'est d'écrire directement la formule, ok? Donc, F2, donc, dans un premier temps, nous écrirons en fait que G2 est égal à quoi en fait? C'est égal à E2, d'accord? Moins E2 scalaire F1 fois F1. Donc, en écrivant cette formule, F2 devient immédiate, car nous obtiendrons F2 en divisant G2 par sa norme. D'accord? Donc, je vous ai détaillé ces étapes dans la suite de la page. Donc G2 est égal à E2 moins E2 scalaire F1 fois F1 avec les données de E2 et de F1 et l'orthonormalité de E2 et de F1 quand vous pourrez le calculer, l'orthogonalité pardon. On obtient que G2 est égal à E2. E2 qui est un vecteur unitaire dont la norme est égale à 1 bien sûr, il vient que F2 est égal à E2. Dernière étape, trouvons F3. Donc on applique les mêmes, on applique la même chose, donc soit les démarches une à une de la démonstration, soit on écrit directement la formule qui nous donne G3 en fonction donc des EI, des FI qui le précèdent. Donc G3 est égal à E3 moins E3 scalaire F2, F2 moins E3 scalaire F1, F1. En disposant des données devant nous, nous pouvons en déduire que G3 est égal à moins 1,5, 1,5, 0. La dernière étape, bien sûr, consiste à normer, si on veut, G3, c'est-à-dire en écrivant
F3 est égal à G3 sur norme de G3. Norme de G3, comme vous le voyez devant vous, c'est égal à racine carrée de la première coordonnée au carré plus deuxième coordonnée au carré, ce qui fait que c'est égal à racine carrée de 1/2. Et donc, on dispose de F3. Finalement, la famille, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, 0, 0, 0, 1, moins racine de 2, racine de 2, 0, est une base orthonormée de R3 pour la norme euclidienne. Bien sûr, le produit scalaire associé aussi. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Et à la prochaine sur kazaku.com.